Dis Pardon, bonjour à Théba. YouTube là parce que t'es tout seul Bonjour sur ton YouTube. Twitch là. Bonjour Bonjour Twitch YouTube. aussi. Mais voilà, donc on vient de monter le niveau, on vient de débloquer spécialiste de la main gauche qui va réduire de 1 les composants main gauche. Vous avez envie de dire, vous êtes des gros connards, vous avez dû forger les mains gauches juste après. C'est pas grave. Oui, mais Mais voilà. voilà. Merci d'être venu. Par contre, on vient de débloquer un truc qui fait qu'on va devenir motivé. Est-ce que ça veut dire que on va gagner plus vite du moral en combat? Ou alors on va avoir un stade de galvanisation plus rapidement? Je ne sais pas. Ça sera à voir Bon. en combat On verra. à ce Ah! moment-là. Ton os de barre n'a plus rien à foutre. Au passage. Comment se fesse? Oui, j'ai dit fesse. Donc si tu veux le mettre au feu de camp ou dans la tente. Allez ici, moi. Je refuse de passer mon temps avec des êtres humains. Oui, tiens, Sérieux? bah oui, est-ce que ce serait pas le moment de passer du temps avec des êtres humains? Bonjour les êtres humains. Bonjour, Je bonjour. représente la voix des ours. Il n'y en a plus d'ours. Ah non, c'est moi qui avais pas mal d'ours. J'avais trop composé de 4 ours. J'étais un bourrin. Ah, franchement, quand t'as plus de carcasse, comment tu vis mieux? Waouh, incroyable. Alors, Art Anthony, on est en difficulté normale parce que voilà, Ouais, c'est. le jeu. Non, on est passé en vétéran, je sais pas quoi, non? C'est. Ah, on est en expert maintenant? Attends. On Attends. était passé en quoi, nous? Non, on est en confirmé. Ah, confirmé, voilà, Celui donc c'est ça. confirmé, Non, ok, ça doit confirmed. être la normale. C'est confirmed. On est en difficulté normale. Ouais, on C'est une joue. game. C'est une game qu'on a commencé. Bah, le jeu était encore en bêta. En alpha, non? Ouais, bah oui, ça fait. Alpha, peut-être pas, bêta, su. Bah si, on a. Non, en bêta, Oui, en alpha. puisqu'il est arrivé en bêta avant d'avoir son mode multi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, oui, C'est ça. forcément, on a joué obligatoirement en bêta. Est-ce qu'on ferait pas un petit crochet aux gens qui peuvent améliorer par exemple des armes? Ouais, pas faux. Et on pourrait Je te peut-être aller laisse acheter les bouquins de ton ami le voleur aussi, peut-être. pas faux aussi. Et Je. ouais, on est en difficulté confirmée parce que bon, on n'avait pas envie de se prendre la tête, on connaissait pas encore bien le jeu. Maintenant, je pense qu'on pourrait passer facilement en difficulté expert. Moi, sur ma partie, en tout cas, c'est le cas. Oh, la novice, c'est vraiment cool, hein, c'est chill, tu découvres le jeu. Il faut peut-être que tu te Oui, non, mais déséquipes. je. Parce qu'en fait, j'ai fait ça, mais j'ai. Là, je peux encore l'améliorer. Requiert Bah. le niveau 9 actuellement. Elle est Et on passée a à perdu. plus 45 de force, 10% de critique. Oui, mais le 10% de critique, c'est à cause de l'huile, ça. Ah oui, c'est à cause de lui. Mais t'es sûr que tu veux pas mettre une huile de force dessus? Mais il y a déjà huile de force et affilage dessus. Déjà! Ok. Déjà! C'est pour ça que je te dis, j'aurais pas besoin de tes huiles nulles, que personne ne veut, qui Nul, t'es servent à nul! rien. C'est de la Comment merde. ça, elles sont nulles? L'huile de force ne sert à rien, c'est nul. C'est 10% de force. C'est de la merde, au secours. Et en plus, on peut pas respec un mec. Dommage. Non. Tant pis. C'était le moment de Ouais. respec quelqu'un, mais bon. Est-ce que. Putain, on a plus de thunes, il nous a rincé le pognon ou t'as. Non, t'as acheté un truc. J'ai rien acheté, j'ai même refait du bif. J'ai Comment refait des ça t'as potions. refait du bif? C'est pas possible, mec. Bah si. On avait 1400, il m'a coûté 680. Il s'est passé un truc. Bon, bref. Allons-y, puisqu'on a toujours On a pas acheté payé. les. Oh putain. On est en dette au prochain repos, là, c'est ce que vient de dire le jeu. C'est ça, ouais. Bon, faut qu'on atteigne Cortia. Ouais. Le piton, le Je bonbon l'ai. piton, Je tu l'ai, l'as? je l'ai, je l'ai. Ok, Ouais, je l'ai. parfait. C'est que la neige, je voyais plus Ouais, rien. pour le live, hein, pour pas payer, on a Ah mis oui, un piton là, un piton là. C'est des astuces de l'escroc. Hein. Là, tu peux leur Ouais, montrer les sur la astuces de. carte des petites astuces d'escroc. Ouais, je peux. Attends, je clique loin. Je suis un grand spécialiste des Alors, techniques d'escroc. on a mis un peu beaucoup de pitons. Voilà. Moi, je. Juste ce qu'il fallait, moi, je trouve. Hein. Il en T'es manque un médisant peu, je avec trouve. nous-mêmes. Hop, hop, hop. Tu vas où? Je vois Le du but c'est métal, moi, d'être. je le récupère. Hein. Le but c'est d'atteindre Cortia le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des détours. Je Espèce de récupère de la couscous. papillonnage! Mais cours toi aussi là, au lieu de te plaindre. Je peux pas, t'es trop loin. Du coup, on s'est jamais arrêté à cette. Oh Voir si, on s'est maintenant déjà s'il y arrêté. avait.
Voilà, il y a un peu de chambre à récup. Il n'y a pas de bûche, il n'y a rien, allez, on se casse. Y a rien. On s'arrête au bûcheron ou faut vraiment tracer? Alors, le bûcher, il n'y a pas. Il n'y a pas? Oh. Non, dans le bûcher, il n'y avait pas. Est-ce que tu me dis ça juste pour que j'arrête de traîner la patte? Tu traînes pas la patte, tu papillonnes. Nuance. Je papillonne pas, moi je vois des ressorts, je vais dessus. Définition même de papillonner, tu prends un truc, tu y vas. Non, je fais du patoun. Patoun, attention, un jeu à patoun. Ah putain, j'ai plus d'endu, je me suis laissé crever de feu. Ah, on est fatigué, il va falloir camper, non. Mais non, il va pas falloir camper, non, on est à la moitié. Non, j'éconne. Oh, il se calme. C'est le comptoir d'Arthès qu'on a construit? On a construit le comptoir d'Arthès? Ah oui, c'était celui-là, oui. Oh, don't believe a word she says. She probably came across a bah on lui vend nos merdes. Bah oui, vas-y, vend tout. Boum, 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 boum. J'adore combien on vient de gagner. Bon, je nous reprends des gemmes, hein. Qu'on fasse pas le retour pour rien non plus. Putain, ils vendent 9 ragoûts de porc, j'avais vendu des ragoûts de porc. Ouais, t'avais vendu des ragoûts de porc. Putain, on en avait trop. Ça. On en avait trop. C'est vraiment possible. Ouais. Est-ce que tu serais pas en train de me mentir? Est-ce que t'aurais pas vendu des trucs en loose dans mon dos? Du tout. Hop, la couscous, je te la remonte, je te la mets par là. Marchand professionnel, plus 4, pas mal. Oh. Je t'ai repris l'huile de force, du coup. Merci. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire quoi? Non, on a plus besoin de cordes, on est bien en cordes. Bois, on lui prend les 8 de bois. On est à combien de bois? 27, mais on en crame un tous les jours. Ah ouais, prends. Oh. Le charbon, on en a pas besoin, c'est du bois transformé. Bah du coup, oui. C'est vrai que maintenant, le charbon, on a plus de problème. On a plus trop de problèmes en charbon. Chanvre, pour l'instant, on n'a pas besoin, on a 30 sur 30. Là, madame, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est... Ouais, ok. Calmez-vous, secte décamée, j'ai compris. Boum. Ça, c'est pris. Pour toi. Oh, le sel, hein. Oh, bon. Oh putain, t'en génères Oui, mais j'en génère rien, je génère trois pauvres sels, je crois. Ah, du porc. La sardine, t'en voulais? Non, j'ai des sardines sur moi, y'a pas de soucis. Oh, bon, okay. Je prends un peu de sel. Hein. Ouais, tu prends un peu de sel. je vais aller chercher de l'huile de promptitude. Hein. Oui. Pour une de mes dagues. Oui. Oh, attends, d'ailleurs, je peux pas en faire. Pourquoi j'ai pas fait perche au chou? Allez, perche au chou, fais péter. Je vais essayer d'en faire plutôt. Oh, j'ai que deux perches. J'ai que deux perches. J'écris de toute façon. Ensuite, des ragoûts de cochon. Voilà, bah voilà. Là, t'as switch avec la louche de cuisiner ou Oui, bien sûr. Je suis sur la louche. Voilà, et là, j'ai fait un ragoût de porc. Ah, j'ai fait 9 ragoûts de porc, une étoile, visiblement. Pas mal. J'étais très énervé. Ça fait quoi? Ça fait qu'il donne deux points de bravoure au lieu d'un. Les ragoûts de cochon, ils sont où? Non, j'en ai fait un. Ok, j'en ai fait un sur les deux. Donc sur une base danoise, un point de bravoure, là deux effectivement. Deux points de bravoure. Pas mal. Assez solide, hein. Hop, 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 on se crame du brochet. Alors pour donner une idée à monsieur, on était à 87 sel avant que je commence à cuisiner. Ouais. Excusez-moi, je finis, hein, j'ai pas fini. Oh, voilà. Ouais, je fais des sardines fumées. Voilà. Hop là. On connaît mon amour de la sardine. Mais je te comparerais presque pour ton amour du sel à un joueur de. Donc c'est une insulte, ça, je reconnais. Ah non, j'ai pas fini ma phrase, ça va. C'est une insulte caractérisée. C'est une tentative d'insulte caractérisée. Hein. J'ai des preuves là. Et je peux faire plein de pain. T'as je vais aucun pas témoin. Me gêner. T'as aucun témoin. Et je vais me faire 30 pains. Non. Si. Non. On va passer à 30 jours de bouffe. Non, 27. 27, t'es mes 10 ans. Après, si tu veux, on peut gonfler un peu. Hein. Voilà, tiens, la saucisse de loup, la côte de cochon. Ah, du coup, c'est vrai que je peux faire deux pains supplémentaires. Oh, pff, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. On est à 28 jours de bouffe. Tu vois, tu parles mal. Si peu. C'est triste, hein. On est pauvre dans ce domaine-là. Voilà. Ouais. C'est ce que j'ai à dire. Je pouvais racheter un peu de blé, hein, si tu voulais, par contre. Hein.
Apothicaire. Après, on peut aller faire un peu de thunes à la taverne. Hein. C'est vrai. Hey, il y a une recette qu'on n'a pas. Quel est donc. Ah ouais. Quel est donc ce vice fait, là. Bah, visiblement. En plus, tu peux. À moins que t'aies pas de rostre. Mais si t'as des rostres sur toi. Si, j'en ai. Truc de stick moule. Normalement, normalement on a du stock. Hop, hop. Hop, je prends l'huile de promptitude. L'huile de perforage, tu la veux? Réunir 50% de la garde de la cible. Bah, moi non, mais ça peut être intéressant pour des archers pour le coup. Plutôt que de leur ajouter genre de la dex et du crit, juste leur ajouter du crit et de la perforation éventuellement. Bah, de la dex, ça me rajoute quand même 10% de dégâts sur, sur les. 10% de dex, donc 10% de dégâts sur les attaques d'opportunité d'Inlen. Oui mais mais hors Inlaine, je pensais à ceux qui tapent un peu moins fort, qui n'ont pas les gros arcs là. Ouais. Ça peut être intéressant aussi d'ignorer la garde parce que. Ouais. Carrément. Parce que ça te permet d'ignorer le bouclier. C'est pas faux. C'est-à-dire que tu peux shooter à travers les pavois. Hein. Enfin voilà. Les pavois non, les pavois je pense pas. Ah. Cobaye, utiliser 3 d'huile, pas mal. Il va falloir que je fasse ça, il va falloir que j'aille sur... On va faire un maximum d'essence, hein. Paf. Ah, vas-y, fais du gasoil, du pétrole. Alors, l'huile explosive, je peux en refaire une si tu veux, huile de spestiféré, il me faut des rostres. Ouais, y a rien qui m'intéresse, à part le crit. Huile de perforage. Ah, il me faut les écailles de croque-pas. Tu les as. Ouais, je suis allé les récupérer. Hop. Ah, on a débloqué un petit point de, d'alchimiste tier 2 là. Ah, bah de deux fois. D'alchimiste tier 2 deux fois. Okay. L'huile de vivacité, est-ce que. Oh merde, j'aurais pu mettre ça sur Zinlen. 15% de dégâts supplémentaires sur les attaques d'opportunité. Bah oui. J'étais con. Hein? Mais après 10% de même pas, c'est même plus en fait. Ah non, j'ai été con. Nous on n'utilise pas trop celle des lanciers, par contre sur le capitaine elles servent des fois. Donc c'est pas inintéressant par exemple, pareil sur le capitaine de jouer en riposte. Mais voilà. Ouais, j'ai une huile de protection si jamais tu veux. Non, elle est pas ouf. En fait c'est le porteur ne subit aucun dégât direct de la part de ses alliés. Je trouve pas ça ouf. Ah oui, c'est de la merde. Moi, ça... ça veut dire que tu t'es mal placé. C'est nul. Ah, l'huile revigorante. Cette huile est souvent fabriquée par les apprentis. Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 30% d'augmenter la force. Quoi? Pendant 2 rounds. Attends. J'ai des nouvelles huiles là. L'huile tonifiante. Ah oui, d'accord. Ok, je pense que... Ah, il va me falloir des crocs. Progresse... Attends, je peux... Non, on n'a pas ce qu'il faut. Dommage. Comment ça? Ils ont rajouté des huiles de base. Ouais, je vois. Huile tonifiante, huile défensive, etc. Bah, t'as les matériaux, voilà. Là. Oui, j'ai les matériaux. Mais en fait, c'était... je voulais voir si on avait assez de... D'influence pour... Pour déclencher la bannière, ouais. Ouais, voilà, mais non. Mais non. Bon, je l'ai fait quand même. Des clodos. Ouais, ouais, vas-y, hein, prends. On va pas te claquer systématiquement nos points dedans. Je trouve que la bannière est fort chère. Ouais. Voilà. Et j'imagine que ces huiles-là ne donnent pas 10%, mais 5%. Qui serait logique, puisque c'est pour les apprentis. Peut-être imparfaite. Bah, je voulais aller les vendre. Ah, ouais, ok, vas-y. Je t'en prie. Merci. Usually, I'm only allowed to tend to the animals, but don't let that worry. Du coup, t'as débloqué le chimiste. Ouais, et j'ai bientôt, on a bientôt un point de connaissance. Nice. Carrément. Et ben... On va débloquer une nouvelle recette de cuisine. Ah, la taverne. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps d'aller souquer des Artimus?
Ah, il y a une recette là-dedans. On n'a pas les fruits confits. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? On a rien. Mais en fait. Hop, c'est dans la poche. Elle a rien vu, la madame. Vas-y, chante. Chanter. En armure lourde. Ce style incroyable. De barde en armure lourde. C'était nul à chier. Bon bah ils m'ont balancé un rubis. Bon à première vue j'étais incroyable. Allez voir la madame. Tiens prends ton rubis, ça me fait plaisir. Merci. Ah, bon, et on a gagné. Pourquoi on a un point de compétence que... Ah bah oui marmite. Fruits confits. Oui. Et bon pourquoi on n'a pas de miel? Qui vend du miel déjà? Cortia, pas Cortia, Marais. Ah, c'est un Marheim. Ouais, ouais, ouais. Bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller faire la ruine de Où d'ailleurs. On l'a faite ici, la ruine. Non, on l'a pas encore faite. On a même la quête pour aller la voir. Hein. On l'a toujours pas fait. Ah, oui, putain, oui, on l'a active. Oui, oh, bah, on l'ose dire. Hein. Ouais. Allez, go. Allez, on y va. Hein. Les gens sont venus pour ça. Cassons-nous. Hein. Alors, attends. Hop, cuisinier, ça dégage. Tac. J'aime pas avoir des petits points d'exclamation comme ça. On avait dépouillé l'église, on avait tout fait à Saint-Éléon. Oh, on a rien fait ici. Mec. On a rien fait. Tu veux, on est allé voir les vieux là, on leur a parlé, on en a rien à foutre, ça se passe comment? On a rien fait du tout. Mais tu veux qu'on aille leur parler à l'église là ou pas? On leur a parlé. Non, on a même pas débloqué la quête ou quoi que ce soit hein, pour le moment. Oh là là, bon, ouais, vraiment on est. Ouais, on n'est pas le coin quoi. C'est pas ce qu'on fait ici quoi. Bon. C'est par là. C'est par là, ok. Suivez-moi, je connais un passage. Mon dieu, il connaît le chemin. Oh là. Ah, faut se reposer. À côté de l'ours? Meilleure idée. Meilleure idée. Oh, les ours sont nos amis. Zel, t'es notre ami. On est entouré d'emmerdes. C'est incroyable. Est-ce que ça change réellement d'habitude? Ouais, non, ça va bien se passer. Ça c'est quoi? Augmente le bonheur de la troupe, ça me fait plaisir. Ouais! La bagarre. Plus de points. Plus de points, cool. Ah ouais. Mais est-ce qu'il serait pas temps de recruter un nouveau membre? Ah si t'y tiens, hein, mais si tu veux recruter un ours? Non, pas un ours. Moi je suis d'accord. Hein. Ah bah il faut que quelqu'un s'équipe des cordes alors. Faut pas les laisser dans le coffre de camp. Et l'ours, ça bouffe, hein. Bah, ça oui, bouffe hein. Beaucoup. Hein, Zel? Pardon. C'est pas des pics contre toi, hein. Enfin, si, en fait, si, totalement. Ah, le mec vient de dire que c'était personnel, quoi. Ouais, bon, personnel. En attente de Shina, vous aurez compris, j'ai appuyé à sa place. Ah. Combattons des ours de niveau 8. 3 ours. Des ours. 3 ours de niveau 8, donc 3 fois plus d'emmerde. Ouais. En plus, ces ours, ça va être hyper facile à capturer pour le coup. Mmh, ah, parce ouais, qu'ils meurent pas quand tu les fais tomber à zéro sur le premier coup. T'as pris les cornes? Non. J'ai pas pris les cornes non plus. Non, mais on a dit qu'on en avait aux F de leur race, donc... Bah écoute... Premier ours qui joue. Ah attends, c'est quoi ça? On est galvanisé et motivé. Motivé, vos attaques, vos unités deviennent motivées, ce qui inflige, ce qui augmente les dégâts qu'elles infligent. Ah, d'accord. Mais on sait de combien? Non, on sait pas. J'aurais bien bloqué au close le premier avec genre, mais genre un truc improbable, un lancier. Vas-y, si je peux l'engager. Alors l'idée c'est pas l'engager, c'est de l'empêcher de bouger. D'accord, c'est de le mettre en zone et de le stun, parce que les gifles d'un ours ça fait mal.
Ouais, si tu veux, après on l'aurait buté avec un coutelier. Hein. 872 points de vie à tomber. J'ai rien vu. Et il faut le tuer deux fois, je rappelle. C'est ouais, un okay, ours. D'accord. C'est un ours. Oui, non, okay, donc c'est pour ça que j'étais en train de penser les immobilismes. Voilà. T'es vénère, t'as mis 3 critiques d'affilée, mec. Bah enfin, il était peut-être temps. Il était peut-être temps, en fait. T'as combien de chances de coup critique? 27%. Tu mets plus de critiques que Vinland. C'est dégueulasse. Bah 27%, mais enfin, ces derniers temps, 27%, on n'a jamais vu un seul qui est sorti hein, sur ses coups, mais bon. Donc lui, il est Keblo. Je passe mon tour. Je pensais bloquer, pareil, l'autre ours qui est sous la foudre avec un autre officier. Vas-y. Alors, Sophia n'est pas capable de bloquer, hein. C'est-à-dire notre officier. Alors, je parlais bien sûr de sexe masculin, des gens capables. Les gars, tu vas te prendre la foudre, là. Mon socle, normalement, il est pas dedans. Si je dis pas de bêtises, dans le doute. On ne pas le diable, perso. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on veut... Il reste celui-là à gérer. Est-ce qu'on voudrait pas qu'un capitaine bouge donne des points, là? J'en ai bien là. Coucou, bonjour. Et ne fasse plus rien. Parce qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Il va juste avancer pour pouvoir prendre à la place des archers dans la gueule. C'est tout. Est-ce que tu veux qu'on aille l'engager avec un truc? Est-ce qu'on a un truc déjà qui peut l'engager? Ah oui, par contre, tous tes mecs, ils sont super loin de Taurus. Oh, c'est pas grave, ça, c'est le... Les deux, là, ils vont être gérés, donc... Meilleur ami. Hop. J'ai réussi à l'avoir. Qui est meilleur ami? Ah, Will et Taurus, ils sont meilleurs amis? Trop drôle. Ouais, ou Stevie, je sais pas, un des deux. Non, c'était sur Will, avec Will. Il est meilleur ami de Will. Ah, oh, cool. Mais tant pis, moi il faut que je recule parce qu'il y a un ours là dans l'histoire. Non, il y a une foudre surtout. Il y a un truc qui est très rigolo, c'est que je pourrais balancer aussi une bombe de recul. Hein. Ce qui décalerait les deux ours. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Je suis très tenté. Il est très tenté, très tenté. Mais je vais pas le faire. Il est raisonnable. Stop le trolling. Il est inspiré. Raisonnable. Mais il va rester là. Merci d'avoir de t'être inspiré. Voilà. Bah écoute, si ça ne te dérange pas, je vais commencer. Ok, vas-y. Je vais te taper des ours. Vas-y, va leur attendre un peu la viande. Là, tu joues pas tout de suite, donc... Ouais. J'en enlève 126, visiblement. 72 2 critiques sur le même, pas mal. C'était correct. Ouais, t'as dû lui enlever 20% de sa vie. Par contre, vraiment, le marteau, on l'a amélioré, je crois qu'il est au max de ce qu'on peut l'améliorer actuellement en termes de qualité-prix. Et ouais. Il me paraît à chier, hein. Bah, il inflige 34 de... Ouais, c'est... Et j'ai... je peux... Alors, par contre, ça fait mettre tes gars dans la boue. Ah, ou alors je me mets là, mais du coup, son cul, tu verras, son cul sera de l'autre côté. Je peux te l'embrouiller avec ma vie, en fait, c'est ça le truc. Ouais, vas-y. Comme ça, ici, non? Tu l'auras en flanc? Ouais, vas-y, j'ai. Ok. Lui applique fragilité, lui applique affaiblissement. Dégâts augmentés de 30%. Voilà. Aïe. Je pense pas qu'il y ait besoin de ma spéciale qui va faire qu'il va me réduire les dégâts, donc... Je te laisse tous les points pour te gaver. Bah, tu vas peut-être pas jouer mettre... Zinlen, hein. Je suis pas sûr que Zinlen soit fort utile. Si j'arrive à mettre un critique sur sa flèche de base, si. Ça remet une deuxième flèche, quoi, c'est tout. D'accord. Après, Oui, c'est pas fou. Après, tu peux toujours le mettre sur l'ours, ta zone aussi, sur l'ours qui a pas encore joué. Ouais, effectivement. Bah tiens, j'ai les trois. C'est pas déconnant, hein. Si jamais Denal veut s'amuser à pousser des gens, ça peut être très bon. Ouais, je peux. Genre l'ours du mid à pousser, là, il est incroyable, hein. Il prend tarot. Ah ouais. Bah si tu le pousses, il prend tarif, hein.
Il se prend un coup de lance, il se prend la flèche de... Allez. Eh ben non, il se prend pas la flèche parce qu'il a pas fini de bouger, il a pas fait son mouvement. Mais ok. Ah oui, parce que du coup je l'empêche de bouger, putain. Dommage. Là, il a la volonté de bouger. Il a voulu bouger. Et il s'est retourné. Le pauvre quoi, le tarif qu'il a pris. Oh, incroyable. Alors, toi tu es engagé. Engagez-vous qui vous êtes. Alors, un couteau de base. C'est pas les couteaux que tu m'as fait. Ensuite. T'as vu Os de Bard, ça c'est des critiques. Os de Bard, j'avoue, comment il est devenu pourri quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, merci d'être venu. Ouais, on a la galvanisation. On est content. Ouais. Bah je peux plus rien faire. Ah si. Je peux faire un truc super utile. Donner des ordres. Bah bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. T'inquiète. Oh là, j'ai les 4. Et un couteau pour la prime. Bah voilà. Et pour la peine, bah je me déplace là. À côté de Taurus. Voilà, j'avais envie d'être copain. Wow, on va abuser, hein. Ça un pousse coup. Ça pousse. Ah, d'accord. Là, c'est costaud en ours, hein. Ouais, c'est... Non, mais c'est costaud aussi quand il met un critique, ce con. C'est costaud un ours, hein. Ouais, carrément. Il vient se prendre. T'as tout ce que tu lui fous dans la gueule, le truc est toujours pas mort, se fait. Bon, bah, d'accord. J'aurais mis 8400 PV. Bah toujours pas mort. Puis en plus ce qui est marrant c'est que bon là on sait qu'il a 0 point de vie. Mais moi je le regardais sans mettre ma souris dessus. Et tu fais la jauge de vie genre elle a pas bougé. Le mec il a pris 235 sa jauge de vie. Elle a pas bougé, tu fais Deux fois. Putain ça fait mal. Bah tu bon, peux y aller gratuitement. Ouais on va y aller gratuite hein. Hop une attaque de base et tu en fais rien de plus hein. Et non bah non. Aucune raison. Allez on va aller finalement. Pardon monsieur l'ours, il faudrait peut-être mourir. Là, tu attention, est-ce que je peux envoyer la Champions League? Vas-y, envoie la Champions League. Et 82 PEV. C'te monstre. C'te monstre mon gars. Ah, des carcasses, des machins, ça faisait longtemps. Ouah, 8 morceaux d'ours. T'avais pas besoin mal. De quoi toi? Hop là. Un petit peu de gras. On a plus de gras? Ok. Si, si, tiens, il est là. Et le lieutenant Will est monté de niveau. Os de Bard et Sophia sont maintenant meilleurs amis. Oh. Il se passe des choses. Et on a gagné un point de connaissance. Et Will a monté d'un niveau. Attends, ça veut dire que là, il dort en... Il est où, Os de Bard? Non, non. Os de Bard, il est autour du feu de camp. C'est la première fois qu'il communique avec des êtres humains. Je vais mettre Sophia au feu de camp aussi. Et je vais déplacer... Bah, elle était déjà au feu de camp? Non, elle était dans la tente. Ah, ok. Comme ça, les meilleurs amis qui dorment ensemble, ça... Alors, mes progrès ne font aucun doute désormais. Je me sens plus fort, plus compétent, plus sûr de moi lors des combats. Je me sens Führer général. Je me demande si c'est le cas de tous mes compagnons. Stevie, imagine la fierté de ses parents, quoi. un point d'attribut. Un point d'attribut. Montrer sa puissance au crew. Oh yeah. Changer de lance tout de suite. Voilà. Mettre une huile de force sur ta lance maintenant. Excellent. On a des huiles de... Ah, perfois. Bah ouais, il y a des choses pas mal. Hein. Et tu peux en mettre deux. Hein. Ouais, mais... Affilage. Affilage étant affilage qui se rapporte au plumage. Désolé, hein. Mais... Ah bah oui. Mais j'avais déjà une affilage sur moi. Alors attends, je vais remonter le stock parce que sinon j'oublie ce que j'ai... Mon inventaire est un peu bordélique en ce moment, voyez-vous. Tu veux pas reprendre tes couscous? Est-ce que je peux prendre soit un truc d'attaque? Oh, attends. Prends ce que tu veux.
Jamais on a du gré. On a du gré. Oui, oui, on a du gré. Il est où? Est-ce que... On a oui, pas il, de a, il a une bonne... Bah après, c'est toi qui me dis si t'as du gré. Moi, j'en ai pas sur moi, normalement. Tu m'as menti. On a mais pas de gré du tout, faire... pas un cahier. Puisqu'on va faire une mine, on va en avoir, donc... Pas une mine, une... Je pourrais donc augmenter la force d'un lieutenant qui est quand même à 60. Ou sa volonté pour passer à 19. Même si on me propose gratuitement d'augmenter son taux de critique. Ouais. Ce qui me ferait passer à 39%. Gratuitement le taux de critique. Hein. Moi je suis assez d'accord. Eh bien, j'ai choisi quelque chose et je ne regrette pas ce que j'ai choisi. Ah oui, c'est vrai qu'il passe deux fois. Et là, volonté gratos. Allez, volonté gratos, je prends. 19 de volonté, hein, le lieutenant. Le tissu, c'est toi qui l'as ? Non, c'est bon. Cherche pas. J'ai. Le mec est en train de me dire, c'est moi qui le raquette. Et je vais faire casquette. Quelque chose. Là, je te donne de des trucs là, très, c'est ça aussi. Très intéressant. On va broyer, t'en feras ce que tu voudras. Ah, c'est bien, je peux commencer à compacter mon inventaire. Alors là, si ça, c'est pas incroyable. Je t'invite à regarder la table de stratégie. Attends, je suis en train de compacter mon inventaire, tu te rends pas compte de ce qui se passe là? Je voyage, je vis une vie qui a rien à voir avec ce qui était avant ma vie. Je découvre enfin ce qu'est la lumière, la définition de la lumière. 15 essences vierges, mon gars. Ça, c'est de la violence. C'est pas mal. Mm-hmm. 10. Ah, c'est potage, c'est pas la même chose. C'est du potage, je me suis fait douiller. Je me suis fait David, comme qui dirait l'autre, dans le milieu. Tac, 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 into tac, bref, un truc comme ça à peu près. Et il faut que je choisisse une compétence de niveau 8. Oh, je veux voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Préparation, si l'unité termine son tour non engagé, et gagne la fureur. Voilà. Ok. Exploitation des forces, dégâts augmentés de 5% pour chaque bonus appliqué sur cette unité. Ouais, bof. Dernier effort, applique à cette unité et à la liée ciblée autant de rage qu'ils ont de malus. Bah, ça va partir sur de la préparation. Hein. Ouais, je pense. Et il faudra regarder ce que ça donne en amélioré. Et il faudra qu'on regarde quand on aura les moyens financiers de ce que ça fait en amélioré. Il est temps de retirer Os de Bard du feu de camp. Ou le lieutenant Will, parce qu'il s'est fait beaucoup trop d'amis ces derniers temps. Os de Bard, justement, faut le laisser. Bah, je retire Will parce que personne veut être ami avec Will. Mais au pire, Will, tu le mets Non, non, il fallait. Bah, je l'ai mis à faire de la viande. Ah, oui, t'as de quoi faire de la viande. Eh ouais, on a de la carcasse, ça pèse, ça dégage. Est-ce que tu veux bien faire un clic droit sur la table de stratégie, s'il te plaît? Bien sûr. Nous avons du coup le degré 3. Nous avons la coordination. Les attaques qui peuvent affecter les alliés ont 50% de chance de ne pas les affecter. Regroupement. Lors de la préparation d'une bataille, les points de déplacement alliés sont plus proches les uns des autres. Repositionnement. Chaque compagnon gagne la compétence se repositionner. Ça réinitialise le mouvement. Cette unité ne peut plus utiliser de compétences ou d'actions de base. C'est quand tes gadgets sont beaucoup trop loin. La coordination, c'est pas mal. Attends, les attaques qui peuvent affecter les alliés. Ah non, c'est de la merde. C'est tirer une flèche dans le cul d'un pote, ça. C'est ça. Ou mais alors ça sert à rien au niveau 3. Bon, regroupement, quoi. Regroupement, bah voilà, quoi. Ah, vraiment. Ouais, et les ennemis, ils ont des tactiques cool, hein. Nous, non. Non, ouais, mais c'est ça, les ennemis, tu fais... Mais nous, quand est-ce que... Il faut avoir un général, un fureur, moi, je veux bien. Hein. Général, fureur, commander. Exactement, la base, quoi. Un truc qu'on aime bien. Donc, on a un bout de bois par ici. Le dernier poste, là, ça a été nettoyé, ça? On dirait pas qu'on a besoin de l'attaquer. Bah... Oh, du chanvre. Il y a un coffre. Pourquoi? Il y a du pognon. C'est bon. Ok. Bah, sers-toi, Chine. Ah. Tiens, je le mets dans le... Non. Mais c'est pas moi qui vole des trucs. Oui, c'est vrai. C'est pas moi le voleur. Non, moi j'ai pas besoin de ton truc là. Garde ton machin là. En gros, ça a une chance de ne pas te considérer comme volé. Ouais. Putain, on a oublié ça, quoi. Comme quoi, on a fait des trucs, en fait. Ouais, par le mal, hein. Heureusement que j'ai fait un petit crochet par ici. Bon, c'était plus pour satisfaire notre lieutenant. Ouais, notre lieutenant pour fêter sa,
sa montée de niveau. Applaudissez donc moi, mais en silence. Je vous entends pas m'applaudir. Vous faites trop de bruit en applaudissant. Moins fort. Pardon, j'avais une casserole qui traînait. On a dit quoi sur les dispositifs sonores de rue? Hein? Ah. Portatif. Dispositif de rue portatif. Non mais c'est vraiment ça je crois, la définition c'est... Ah, lieutenant Ville, le coude agile est devenu pêcheur compagnon, permet de fabriquer des hameçons experts lorsque vous pêchez. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que je peux faire des... Ça n'a pas de sens. Attends, ça veut dire que je peux faire des hameçons... Attends, tu veux bien... Oui, comme ça encore. Merci. Ah, tout le monde s'en va. Eh attends, est-ce que ça ferait pas déjà presque une heure? YouTube, je sais que vous me détestez. J'avoue, hein, dites-vous, YouTube, c'est de la faute de Shinai, hein. Non, ça fait 35 minutes. Les hameçons de pêche expert, il me faut 2 minerais, 2 appâts, et ça te permet de... qui ramène 2 poissons supplémentaires. Oh oh. Pardon. Il va falloir qu'on aille faire des trucs de rat pour choper des appâts. Mmh. Ah, j'ai plus de sel. Ah, vous n'avez plus de sel. D'accord. Genre, t'as plus de sel. Oui, j'ai plus de sel. Oui, c'est ce que j'avais oublié de te dire tout à l'heure. Bah là, je peux même pas faire tous les poissons. Parce qu'en fait, je stockais beaucoup de blé. Il y a beaucoup de trucs que je transformais pas. J'ai tout transformé, j'ai plus de sel. On a 29 jours de bouffe, putain. Mais j'ai même pas pu tout transformer, hein. Ouais, non, mais je suis content. Non, je pense qu'on aurait pu gagner une petite journée de bouffe en plus si j'avais pu tout transformer. Ah, du métal. Non, y a pas de métal, je vois pas où c'est. Hein. Mais putain, par contre. Merci. Oh, les collisions. Ah ouais, alors ça va être chiant. Moi, officiellement, t'es passé par la droite, mais moi, je crois qu'il faut que je passe par la gauche. Non. Attends. Je suis passé par là. Hein. Ouais. Ouais, mais moi, je crois qu'il veut pas par là. Si, ah si, putain. Là, il veut bien. Y a des trucs, il est pas clair, hein, le jeu. Il est pas clair, le jeu. Il est pas clair. Ah, c'est bon, on est passé. Je mettrai des pitons partout, hein. Si l'un d'entre nous fabriquait des pitons. Attends, il y a du bois. Hop là. Et il y a un campement. Ouais, mais j'arrive pas à cliquer dessus. T'y arrives, toi? Ah, c'est bon, je l'ai. Il y a un petit truc, ouais. Tac. Je l'ai. Ah bah voilà, du pitons. Pain. Du pain. Bah, ouais, la baballe. Prends la baballe. Mais c'est moi qui ai cherché. Attention, il y a des voyous. Où ça? Derrière nous. Dans la forêt. Mais arrête de piquer mon fer, c'est insupportable ce mec. Merci. Il y a un camp dissimulé. Where is your carriage? Oui, si, c'est mon tour d'armure. Ouais, faudra venir la récupérer si on peut te buter. Bon, on a été invité à aller se faire mettre hein, chez les Grecs, poliment. Ok. Ce tombeau sera votre tombeau. Hop là. Applaudissez. Mais en silence. Hurlez votre désir. Et votre satisfaction, mais muettement, je vous prie. Donc là, il y a 2 brochets qu'on peut pas cuisiner, hein, officiel. Oh là là, mon dieu, c'est horrible, hein. Jamais on s'en sortira, on va mourir de faim à cause de ça. Hein. Ouais, en plus, je crois que je pêche qu'à l'hameçon de base, là. Hein. Non, tu pêches à l'hameçon solide de base. Ouais, c'est ça, l'hameçon solide de base, pas à l'hameçon expert de base. T'as regardé d'ailleurs cette histoire? Bah, je t'ai... Mais m'écoute pas, hein. Non, je t'écoute pas. 2 appâts et 2 bouts de fer. Faut qu'on tape ces gens-là, on va au tombeau, on fait quoi? On va au tombeau. D'accord. Attends! Il faut qu'on fasse des torches. Oui. On peut peut-être aussi acheter des torches au mec qui va être devant à tous les coups. Pas sûr qu'il y ait un mec qui soit devant ce coup-ci. Tiens, regarde, j'ai une bouteille vide. J'ai tiré une bouteille vide dans l'eau. C'est gentil, ça. Merci. Voilà, ça me fait plaisir. Graisse et bois. Ah, j'ai 2 de fer qui se baladent ici. Hop là. Graisse, bois. Je peux bois. Compiler encore plus mon inventaire. Genre. Je peux mettre les derrière là-haut. Du tissu. Du tissu. J'en ai besoin. Le crocopore. Crocopore, ça sert vraiment à rien, mais je croyais qu'il y avait une recette à base de crocopore. Je sais pas pourquoi. Oui, il doit y en avoir. Je fais quoi? J'en fais 5 déjà, ce sera pas mal. 5 torches. Ouais, t'es large même, hein.
potentiellement. Large, la ruine elle est grande dans celle-là. Hein. Oui, oui, non, vas-y, vas-y, oui, faisons 5, 6, 8. Non, non, déjà 5, c'est déjà pas mal. Hein. Alors je vais juste équiper. On va peut-être pas pousser d'abord. Jusqu'à ça. Attends, 1, 2, 3, 4. Si on est 5 à pouvoir en prendre, je crois, c'est ça. Ouais, ouais, c'est pour ça. Okay, ouais, et 5, tiens. Ouais. Donc moi qu'on est 3 dans mon groupe qui peut en prendre. C'est ça. Et tiens, 3. Ok. Hop. Eh, hey, je suis à plus de la moitié du niveau 8 avec Totorus. Oh, mais c'est vrai que Totorus peut plus jouer à la grenade. Oh, il est triste, Totorus. Bah oui. Il est triste, le pauvre. Attends, le pauvre Totorus, il est triste. Hein. Oh ben là, oui. là, le petit bout de chou. Il voulait jouer avec sa baballe explosive qui poussait les gens. C'était rigolo. Il a voulu la tester sur les ours, mais c'était pas son tour, c'est dommage. Attends, j'ai oublié d'équiper un capitaine. Excusez-moi, j'étais en train de chercher le dernier boubou de mon groupe. Voilà. Voilà. On après, le capitaine, pas obligé, hein. C'était... Bon, bon, bref. Si, si, plus de torches, moins de problèmes. Attends. Oui, oui, oui. Bon, on va gagner là. On va gagner de la connaissance, là, dans le tombeau. Mm-hmm. Est-ce que... Je dirais que c'est un peu la source principale, d'ailleurs, de connaissance du jeu, mais ok. Oui. Est-ce que ce serait pas bon de prendre, par exemple, la soif de connaissance dans la bannière? Ah, oui, 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 on peut faire ça. Non, c'est pas de la connaissance qu'on gagne, c'est directement des points de compendium, donc non. Plein d'expérience de connaissance augmentée de 50%. Ouais, mais là, c'est des points de compendium. Mmh. Ouais, c'est pas... Ouais, triste. C'est pas... Non, c'est pas... Dommage. Ouais. Les gains d'XP, s'il y a des combats, bon, on verra. Bon, moi, je pense pas que ce soit utile. Non, c'est pas nécessaire. Elle coûte trop cher, cette bannière. Ouais. Elle sera 50 de base, ce serait mieux. Oui. Ou 100, ou comme je te dis, même s'ils veulent 200, mais dans ce cas-là, en amélioration définitive. Ouais. Il y a personne devant. Bon, bah, voilà. Ouais. Ah si, il y a quelqu'un. Ah mais il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Je voulais retourner et regarder mes amis, mais mon pied... Oh, barely move and it starts bleeding again. Peut l'aider, hein. Bien sûr. Je suis d'accord. My leg feels much better, thank you. Can I come with you? Ah, bah oui. I want to find my friends. Bah ouais. Vas-y, hein. Ça marche, hein, ma bonne dame. Ouais. Let's go, hein. Explorons. Explorationnons. Ok. Ah. Un grognement sourd se fait entendre. Bah let's go, la bagarre tout de suite. Allez. Niveau 9. La bagarre tout de suite. Ah, on n'a pas de chaîne pour récupérer un bar de 2 métal. Non, c'est vrai. C'est triste. Hein. Attends, on aurait pu l'accrocher à d'autres poteaux en plus, on aurait pu le garder. C'est moi ou ça vient de bugger? Non, à mon avis, t'es en chargement. Moi, ça vient de se débug. Et ça, c'est ce qu'ils appellent plus regroupé. En vrai, c'est plutôt regroupé. En vrai. Pas faux. Par rapport à ce qui se fait dans ce genre de milieu. Moi, je pense que ça sert à rien de garder des mecs dans ce coin-là. Une torche ici. Mon mur, une torche par là. Là-bas. Ah, j'aurais gardé la ligne, en fait. La ligne? Ouais, plutôt que... Ouais, non? Ok. Non, mais d'accord. Ouais, disons que c'est plus dur à éclairer et d'avoir des gens. Bah non, parce que pour le coup, on était. Ah ouais, ouais, bon, ouais, bon vas-y, on peut garder ça comme ça. Ça me dérange, abs. Attends, y a 3 torches d'un côté, 3 torches de l'autre. Ouais, ça va. Oui, comment ça, 3 torches de chaque côté? Bah oui, il y a 3 torches de chaque côté. L'autre, elle a une torche. La madame, on lui a donné une torche. Ouais, ok. Elle a une torche, bien sûr qu'on a des torches. On a des torches. Bah ouais. Moi je propose un Zinlen en couverture de zone. Mais est-ce que tu veux pas un Zinlen du côté de Amon Beaumur à la place d'un lieutenant Will? Par exemple. Ouais. Et je mets la couverture où? Tu penses qu'ils sont où? Par là? Pff, aucune idée, ouais, mais là par là. Il est où Amon Beaumur? Ah, il est là. Et je vais couvrir au moins nos deux potes là. Voilà. Ok. Ah, oh, ça va être chiant ça par contre. Ouais. Totorus. Génération de points. Avec
Dédénal. Ouais. Voilà. C'était pas utile, on est déjà potes avec Dédénal. Me mettre dans le bac du rat. Ah, et t'as ça, je vois l'autre rat. Si je le torche ici, ouais, j'ai pas envie de le torche. Coup de hache de base, oh, ça le tue pas. Oh. Triple coup de hache de base, ça le tue pas. Ouais, merci, merci la malhonnêteté du jeu. Et j'ai plus assez de moves pour me niquer ce rat à la con. Avant, je vais quand même avancer, comme ça, voilà. Vous verrez ces cons de rats. Et je vais passer mon tour ici. Ce qui fait que, évidemment, tu peux venir me racoler. Racoler, c'est drôle. Hein. Ouais, racoler, c'est drôle. Voilà. Avec Edenal, si tu veux shooter des saloperies avec Edenal, tu peux. Je pourrais pas. Comment ça? Il y a un Steven qui me. Bah, si, avec une course en fait. Non, mais cours, cours à travers tes potes là, vas-y, direct. Ah, il faut que je me déplace un peu avant. Tu viens de coller à. Toto, voilà. Pan, 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 et on n'en parle plus. Pardon, j'ai rien dit. Je sais pas si je l'ai buté ou pas. On va le savoir, hein. Tu regardes le rat du capitaine, il a 134 PV, donc non, il est pas mort. Non. Triste. Ah, et lui, il vient d'arriver. Ouais. Est-ce que tu veux mettre un coup de latte dans la gueule du rat de ton capitaine pour aller explorer un peu? Tu vas avoir l'inspiration. Non, j'ai envie plutôt de bouger mes lanciers pour peut-être repousser le rat qui est sur Edenal. Ouais. Et poser une zone, parce que je rappelle que le rat que voyait Taurus, que t'as envoyé dans le derrière, il a toujours pas joué. C'est vrai. Voilà. Il est vrai. Ah oui, mais je peux pas le... Oh oui, il est pas assez endommagé. Ah oui, c'est... Ah. C'est lui. Ah mais je vois pas là dans le... Non, toi tu verras pas. Si, 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 je rentre en contact contre le rat. Voilà. Ouais, mais c'est là, pas le bon rat. Il était là. Hein. C'est voilà, bon, j'ai le bon rat. J'ai le bon rat. J'ai trouvé le bon. Allez, une course, et tu reviens. Et j'ai trouvé le prochain. Non, non. Ah, okay. Je vais camper directement le prochain, comme ça c'est moi qui me le prendrai dans la gueule. Mmh. J'aurais pu me déplacer dedans. Lui, parce que lui, en fait, je vais te le laisser pour toi, pour Mélanine. Mélanine va lui péter la gueule. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas trop de soucis avec ça. Non, oui. D'ailleurs, je pense même que. Oui, parce que j'aime bien dire bite. Je peux même faire ça en prime. C'est pas mal, hein. Ouais. Est-ce que c'est un style? Attends. Ça veut dire qu'il y a un rat dans les 6 mètres là. Comment ça? Parce qu'en fait, ils ont force de l'ombre. Oui. Force du nombre, pardon. Je sais plus lire. Pour chaque allié rat taupe dans un rayon de 6 mètres, il gagne 25% de. Ah, et actuellement, l'autre il a 25%. Voilà. Donc dans 6 mètres, il y a quelqu'un. Mais je pense que là, c'est un fake que tu me vends. J'ai plus de move. Bon. Je peux que expecter son positionnement. Je miserai pas par là parce que je pense qu'il y a du vide. Mm-hmm. J'expecte donc un mouvement. Est-ce que j'expecte ou est-ce que je me rabatte? Rabats-toi. Génère du point. D'ailleurs, mon mur va falloir qu'il en génère aussi. Hein. Déjà. Et que ta mère, toi? Ouf. C'est de pute. Les dégâts sont quand même assez sympas maintenant. Ah oui, il a passé un niveau, il a changé de lance. Hein. Oh, dans le bac. Triste. Avait dit agent Saint-Destien. Oh shit. Il va être temps pour un capitaine de générer des points, mais pour ça, faut très probablement se débarrasser de des connards. Ouais. Bah, déjà un coup de latte hein, dans sa gueule à lui, hein. Coup de pied de base, déstabilisation. Bah, le coup de pied, ce sera un critique. Ah putain, c'est vrai, t'as pas de dégâts. Et après, t'as 4 points à générer là. Hein. Ouais, mais c'est dommage, on aurait dû attendre que tu me donnes l'ordre. J'en aurais généré 8. Ah ouais. Voilà. Ouais.
Bon, ils ont l'air d'être plus emmerdés à gauche qu'à droite. Je ferais bien une petite bascule là-bas. Avec ma torche. Allez voir un peu ce qui traîne. Ouais, une torche ici. Tu veux allumer le feu. Ah mon Johnny. Voilà. Bah je vais avoir une Mélanie qui va jouer hein. Alors, est-ce que je vais taper ceux qui ont déjà joué? Tu déjà, puisque t'as été boosted, tu déjà le ratop là. Parce que tu vas gagner 2 points, donc tu utilises ton attaque qui utilise 2. Bam bam, comme ça c'est gratos. Je le tue pas hein. Ah ouais? Bah oui. La frénésie, je le tue pas hein. J'ai une chance de pas le tuer hein. Bon, bah je te laisse gérer, j'ai pas les stats de ton perso. C'était une frénésie ça. Ouais ouais, c'est une frénésie. C'est rentré tout seul. Là, c'est une frénésie. Ok. Et bah écoute, je peux aller faire... Ah! Ah oui, ah oui, parce que vu qu'il est pas éclairé, je peux pas le taper, putain, c'est vrai. Du coup, il est rentré dans ma zone sans que je puisse le shooter. Ça. Ah, si tu peux avancer du coup à hauteur du monsieur, ça serait formidable. Je peux pas faire mieux. Ah il y a quelqu'un qui a tiré. Quelqu'un est mort. Je peux te la dégager? Non. Ah bah non, 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 je peux pas te la dégager. Tyrius peut te la dégager. Ça oui, oui, Tyrius peut la dégager, hein. Y a pas de... Hop. Et ce paquet, ouais, là-dedans, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je peux même tenter de le buter pour un point. Oui, oui, vas-y. Hein. Allez, rentre ta mère, toi. Non, il est pas mort. Je vais me mettre là, hein. Je suis toujours à coller. J'explore un peu. Je nous révèle la zone qu'on soit pas surpris. Ouais, je vais mettre un peu plus par là histoire qu'on voit. Voilà. Et je vais pas chercher plus loin. Ah. Hey tu recules. C'est bien d'avoir révélé. Ouais. Je sais pas si tu veux aller tabasser le rat qui est là-dedans ou pas. Si, je vais me déplacer un peu pour voir. Vas-y. Ah. Alors tu voudras peut-être que je finisse ce rat et... Ah quoi que tu t'en fous, 2 points, tu lui mets une crucifixion et on s'en fout quoi. Ça, attends, je peux même lui mettre juste un coup de torche en fait. Oui, juste un, ceci dit, oui. Je crois qu'eux ils sont bien vulnérables aux torches, les métalliers là. Ouais. Non. Tac, je vois un autre rat, ok. Un coup de base, hein. Voilà, je termine. Motivé. Ah, du coup maintenant on sait ce que ça fait motivé. 10% de dégâts supplémentaires. Oh, c'est pas mal, en gros c'est la version. On est très motivé, hein. Ok. Après je sais pas si tu peux l'engager ou pas, parce qu'il y a encore Osdebart qui a pas joué. Hein, si tu... Ouais, bah je peux l'engager. Ah quoi que, sinon tu peux ne pas l'engager et laisser Osdebart l'engager. Il reste dans le coin, ouais. Parce que sinon je vais pas le voir. Ok. Je viens de l'engager. Oui, ah putain, mais... je peux pas, bordel de merde. Mais putain, oh. Un demi-déplacement là. Us. Eh ben tu peux rien faire d'autre. Et donc il a choisi de t'attaquer, putain. Bah écoute, je vais me dégager, je vais aller à... Alors le rat qui joue, c'est un rat qu'on n'a pas encore vu. Donc j'aurais pas forcément sauté dessus là-dessus. Bah en fait c'est pour justement... J'aurais pu gérer ce qui était sur Stevie, hein. Parce que potentiellement okay. Son cercle est déjà blindé... Quoi que, il y en a aucun des deux qui peut bouger, donc en fait on s'en fout. Vas-y, je veux gérer le rap effectivement pour te dégager, c'est pas déconnant. Pour aller scruter autour. Attends, comment ça je peux pas faire une frénésie? Parce que ça, tu peux pas la faire quand t'es engagé. Pas frénésie, un courroux. Hein?
Il a bien la moitié de ses PV. Ah, il a même moins de la moitié de ses points de vie. Parce qu'il a 147 PV le bordel, il en a 134. Pas grave. Non, je pense que t'es trop loin là. Ouais, là il y avait rien d'autre. Ouais, ouais, remonte, je pense, remonte. Ouais. Si c'est quelque part, ça va être autour la dose de Bard, je pense. Ouais, j'arrive. Ah, t'as plus une move. Terminé. Ouais, j'ai plus de move, j'ai pas. C'était du côté de Totorus. Le prochain à jouer va mourir. Le prochain à jouer va mourir. Je te propose. Bah ouais, ouais, mais tu es avec Mélanine avec quelqu'un qui génère 2 points par. Ah ouais, quoique non, on s'en fout. Y a pas d'urgence. Y a pas d'urgence. Lui, par contre, il a pas joué. Celui qui vient d'apparaître là. Ah, pourris-moi celui-là plutôt, ouais. Non, te colle pas à l'autre. Te colle pas à l'autre, surtout. Décolle-toi attends, de là. Décolle-toi attends, de là. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur que tu fasses une dingue, hein. S'il te plaît. Attends. Bah, j'ai encore mon attaque de base. Et une frénésie. Bah, tu peux toujours... Je sais pas si celui-là. Bah si c'est suffisant, vas-y, hein, fume-le. Hein. Évidemment, faut que j'ouvre ma gueule. Bah écoute, hein. 2 points, c'est gratos. Oui, pareil, hein. Là t'as encore une frénésie, non? Tu peux toujours utiliser ta frénésie. Non, j'ai plus rien. Non, j'ai pas amélioré la frénésie. D'accord, ok, ok. Bah je vais le laisser là. Hein. Non, recolle là derrière quelqu'un qui va pouvoir remettre une zone. Colle-toi au lieutenant, à Stivillon. Ah non, tu peux pas le rejoindre. Ouais, voilà. Tu te fasses pas tuer en fait. De toute façon, il en reste pas beaucoup. Hein. Non, il reste pas grand chose. Mais ces combats là, tu vois, à choisir entre le village hanté et ces combats là, je préfère le village hanté. Hein. Ouais, ouais, le village hanté. Bon, après, le village hanté, c'est les vacances. Hein. C'est, ah oui, c'est les vacances. C'est les vacances du village hanté, tu connaissais pas? C'est New Age, ça va me sortir. Voilà. Eh, hey, on croirait presque que tu fais des dégâts avec tes lanciers. Or qu'en fait, c'est qu'une illusion d'optique depuis le début. Ouais. 94. Si, les dégâts sont reparus, hein, en vrai. Hein. Ouais, mais parce que t'as... Maintenant, t'as la fureur quand t'es pas engagé. Hein. C'est pas dégueulasse. C'est absolument pas dégueulasse. Hein. Bouge bébé, oh, s'il te plaît bouge. S'il te plaît bouge mec. Tu sais très bien qu'il pourra pas bouger hein. Non il pourra pas trop bouger. Ouais vas-y hein. Casse tout hein. Hey. Mais casse. Tu sais que faire ça en fait ça nous consomme les torches. Oh ça va, c'est bon, je vais pas le tabasser quand même, le pauvre gars, il a l'air de galérer dans la vie déjà. Bon, vas-y, on va le finir. Le triple coup de hache. Ah. On va finir ce petit rat. Ça veut dire qu'il reste juste le rat en fait. Mais d'accord, motivé, on gagne 10% de dégâts supplémentaires. Je vais. On sera en fait, on s'en fout. Hein. On est d'accord. Voilà. Hein? T'as passé ton tour? Je me suis fait douiller. Nous avons gagné! Nous avons triomphé du mal. Oui! Ouais, des carcasses, enfin, putain! On n'avait plus rien à se mettre sous la dent, on se faisait chier à la maison. Des crocs, des machins. Y'a plus de tissu, pourquoi c'est moi qui les ai? Non, c'est toi qui les as. Ok, nice. C'est moi qui les ai. Tu veux pas un petit cadavre pour faire joli Ah attends, regarde, inspecter. Faut que tu inspectes la... Oui, oui, la statue. Il est écrit... Erkeskeblesh... Dites la bâtisseuse. D'accord. Okay. Elle a un symbole en main. On peut utiliser une clé dorée sur ce truc. J'inspecte ce coffre. Cool. Tac, tac. Et je te laisse récupérer les trucs qui te concernent. Ouais. Il y a des choses qui ne me concernent pas. Il me reste encore une bleue clé hein, au passage. Où est-ce que t'as vu un symbole? Elle a un symbole en main en fait.
Non. Ah non, ah non, elle a deux outils, ok. Deux outils. Donc ça, c'est rebrousser chemin, à gauche, droite, pas d'avis. Eh bien, les aventuriers ne vont jamais tout droit, ils vont toujours à droite. De toute façon, on peut pas aller... ok. Poser une corde. Bah, non, mais attends, rebrousser chemin, prends une corde, posons une corde. Bah, on a... Moi, je peux en poser une. Ah, ok. Parce que t'as des cordes encore sur toi, parce que moi, j'en avais pas. Ouais, ouais. Ah, t'es mérité. Boum. J'ai pris des petits points vite fait, là. J'ai vu. Ah. Il y a aussi dynamiteur. Mal. Je regarde juste sur les trucs s'il y a des... j'ai rien regardé. Ok, donc on est tout en bas. Ah. Alors, il y a un symbole, déjà, au mur. Ça. Là où j'ai ma... À côté des squelettes. À droite des squelettes. Là ? Non, à droite, mec. L'autre droite. Ah oui. Oh putain, je le voyais pas. Au secours. C'est quoi ? C'est le... C'est le sablier, sablier bar rouge. Ok. Je suis en train de le noter. Hein. Hop, hop. Hop, rouge. Voilà. Il y a un cadavre. Il y a un cadavre. Non, non, c'est juste un mec qui fait une sieste. il y a des trucs pour toi. Savoir ancestraux. Il y a un livre de poche. Génère un peu d'expérience, de connaissance. Oh. Prendre c'est la torche aussi. Ouais, le pognon, c'est pour moi quand même. Déconne pas. Oh. Attends. Je vais tout de suite le mettre sur ma petite. Là, le sablier de. La petite biloute. La. Putain, ça veut dire qu'elle va générer pas mal de trucs, hein. Eh ben, on continue d'explorer. Sur Mélanine. Ah, sur Mélanine. Elle va générer masse de savoir. Inspecter cette boîte. Il y a des trucs dedans. À la fin de son tour, cette unité a 5% de chance d'obtenir un point de pur plaisir. Eh ben. Pas hâte de te convaincre. Bah, tu peux le prendre si tu veux, mais... Attends, j'ai des personnes. Je prends le pur plaisir. Non, j'ai tout le monde a. Est-ce qu'il y a un autre continuer, symbole... on peut défoncer une porte, on peut inspecter ça. Oh, ça se crochette à première vue. Mais toi, ça se crochette, ça. Vas-y, hein, ça va te régaler. Ok, d'accord, j'essaie de crocheter. Vas-y, compagnon. J'essaie de crocheter une palissade en bois. Au secours. Ah, dis-toi que t'essayes de faire sauter les clous, c'est tout, de manière stratégique et intelligente. Et pas t'enfoncer les planches à grands coups de hache. Parce que là, House de Bard, les autres ils sont en train d'essayer de lui expliquer pourquoi il ne peut pas juste avancer tout droit. Il y a un mur devant. Non, je ne vois pas de mur. Je ne vois pas de mur. Un mur, c'est forcément plein. Là, je vois à travers, vous mentez. Alors je ne vois pas à travers si vous mettez pas de torche, mais si vous mettez une torche, je vois. Si par exemple toi, Sophia, tu passes à travers, parce que tu peux, hein, en vrai, on peut passer à travers. Oui, toi tu peux te glisser dedans, les armures lourdes moins. Putain, mais j'arrive pas là. House de Bard, faut le passer en trois fois, faut passer l'armure, faut passer le marteau, faut passer le mec. Et encore, faut le passer en trois fois. Le mec, c'est pas dit qu'il passe tout d'un coup. La voie est libre. La voie est libre. Allons visiter cette voie. On peut inspecter. Ah non ! On pouvait inspecter ? Ouais. Ah merde, j'ai pas vu. Tu veux qu'on rebrousse le chemin ? Bon, il y a un cadavre. Non. On peut déjà check un cadavre. Ah ! Il y a un symbole aussi. Ah oui, il y a le... Alors, hop. Alors ça, je sais pas comment j'ai fait pour le voir, par contre, celui-là. Parce que... Ah bah tu l'as maintenant, vu. J'ai vu le changement de ton et compagnie. Par contre, je vois pas du tout la fin. Il y a un cadavre par terre. Regardons ce type. Regardons-le. Il a $25. Il a un point de connaissance. Et à chaque fois que cette unité s'engage, elle a une chance d'appliquer aveuglement. Ne fonctionne que par beau temps. Ça marche. Et tu t'es fait rembourser une corde. Ouais, cool. Un point de connaissance. Sauvegarder ce truc là. Ah, c'est toi qui fais. Oh, super. Ah, c'est moi qui fais, oui. Ah, vas-y, vas-y.
Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Ça là, ça là. Ça commence à ressembler à quelque chose. Avant. Il va falloir faire plusieurs tours de piste pour, avec tes 4 pièces là pour récupérer le coin qui est en haut à droite quoi. Alors attends, pour le faire il faut que je monte ça là, ça là, ça là, ça là, là, ça là, ça descend là, comme ça et comme ça. Fini. Putain, génial. Je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais c'est bon. Tu l'as fait. Vous avez ouvert les chiottes. Ouais. Pam 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 pam. Je pisse dehors. Ah, enfin, j'ai cru que j'allais devoir pisser contre un mur. Vos compagnons sont fatigués. Il faudrait peut-être voir à se reposer. Ouais, pause syndicale. C'est l'heure de l'apéro, les gars. Chic, chic, un apéro. Eh, hey, on a 2 points. Est-ce que tu veux en faire quelque chose? 2 points de... De... Ah, de compendium. Bah en vrai, j'aurais commencé à m'intéresser à des trucs du général, mais peut-être pas en vrai tout de suite. L'infusion de chanvre, un de ces quatre, je me dis, en vrai, c'est un plat un peu tout pété, mais... Moi, je vois un écu en givracier. Ah oui, putain, oui, 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 on a toujours des clodos du givracier absolu. On a un peu d'écu, bah le set d'armure, mon gars, hein, déjà. Hein. Bah ouais, et déjà. Le cul, hein, voilà. Hein. Attends. D'autres cas, c'est bon, on a plus de points, ça me fait plaisir. Je voulais aller chercher. Oh, beaucoup que l'acier acadien, ça ne sert à rien pour le moment. Oh, t'inquiète, on aura. Mais de toute façon, là, il n'y a actuellement rien de nous servir. On est au milieu d'un donjon, on n'a rien. Donc, alors, qu'est-ce que je nous donne? Vitesse de déplacement dans le monde, c'est pas utile. La vitesse de la fatigue. Ouais, ça me paraît pas mal. Vas-y, on se met ça dans le buffet. Ouais. Mm-hmm. Ouais, vitesse de course augmentée, pas utile. Bon, on va passer des gamelles de base, hein. Alors, je suis désolé pour YouTube, vous ne verrez pas ce que je suis en train de faire, mais je refais les codex, puisque j'en ai un de disponible. Hop. Alors, j'en ai déjà 2 bons. Est-ce que c'est ces deux-là? Ok, les 2 premiers sont bons. Qui est là-dessus? Okay. Qui est là? Personne n'est là-dessus, personne ne travaille là-dessus. Ah, Mélanine vient de monter en compagnon. Voilà. Alors... Parlons peu, parlons bien. Ça, on peut en mettre. 9, 12. Je peux donc t'en mettre 12. Je peux donc m'en mettre 2 ici. Hop, hop. Il nous faut quelqu'un sur l'autre séchoir. Ouais. Je ne vois rien du tout. J'ai os de barde. Allez, os de barde, c'est très bien. Non, il fallait pas os de barde. Il fallait garder os de barde, tu m'as dit. Oui, il faut garder os de barde avec Sophia. Ok. Bah, Edenal ou tirailleuse, parce que c'est tout ce qui nous reste de disponible. Bah, Edenal est parti. Okay. Il ne peut pas être avec ses meilleurs amis. T'as déjà le lieutenant Will qui est assigné à quelque chose et Taurus ne s'enlèvera jamais de la marmite. Donc c'est voilà. Probable que c'est probable qu'il soit devenu un chaudron, le mec dans la nuit. Alors on a gagné des petits loot à la con, la possibilité de faire popper un point parce que là, je suis en train de me dire moi le truc de vu que mon marteau est devenu trop faible avec le gros là. Ouais. Parce que vraiment le marteau est devenu excessivement faible, hein, qu'on soit bien clair. Bah, je pense que la masse à une main là qu'on va récupérer va te faire vraiment excessivement plaisir. Ouais, parce que là c'est vraiment un shit. Donc je vais lui retirer son truc qui lui donne plus 50% mais qui l'empêche de courir, soigner, faire des choses, enfin de vivre sa vie quoi. Et de faire en fait d'autres attaques. Parce que, rappelle que sinon le mec a quand même 3 attaques. Donc je lui ai enlevé et à la fin de ce tour 5% de chance quand il s'engage, a une chance d'appliquer aveuglement. Boum, il va prendre l'aveuglement. Ok, ce que je te propose, là, il nous reste un point. Est-ce qu'on s'intéresserait pas à aller chercher... T'as toujours pas de grès sur toi, hein. J'ai toujours pas de grès sur moi, hein. Je sais qu'on va en récupérer, en miner dans pas longtemps. Est-ce qu'on prendrait pas le plan pour le feu de camp, ou alors je monte l'atelier, enfin, niveau 2. Bah, si tu peux faire atelier maintenant, moi, je trouve ça cool, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, c'est toi qui vois. Est-ce que je peux le faire maintenant? On a le fer et on a le cuir. Oui, je peux le faire maintenant. Bah, moi, je trouve ça cool de pouvoir le faire maintenant. Eh bien, c'est mon avis. Je le fais maintenant, j'augmente l'atelier. Atelier niveau 2 et je vais enfin pouvoir désosser les objets... Dorés. Genre, le fist que je te mets, là, c'est désossable. Ça, tout ça, c'est désossable. Ouais.
tout ça c'est des eaux sables. Allez. Donc je récupère tout ce qu'on, ce dont on n'utilisera pas. Et ben ça part. Hop, hop. Ça je garde, ça je ne garde pas. Ah, juger c'est pendu. Oh oui, vas-y, vas-y. Eh bien, je viens de récupérer 11 matériaux bruts, 10 de fer, une corde, un de cuir et 7 de bois. Ok. On est bien. On est bien, on est bien. Donc moi, j'étais en train de charger... je suis en train de nous chercher le buffet, là. Je vais donc nous ajouter... l'idée, c'est de vider, c'est de réduire la taille de l'inventaire. Le bois, on n'en est pas... On n'en emmène pas large maintenant. Pourquoi? Bah... à l'heure actuelle, on n'emmène pas large, je vais t'avouer. Bah on en a 22. 22, c'est ça. Pas beaucoup. Bah c'est pas mal. Non? C'est pas mal. Ouais, c'est juste pas mal, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que t'en as consommé beaucoup, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression d'en avoir consommé masse. C'est des choses qui... J'ai mis quelqu'un au tabouret de veille. Ouais, ok, si tu veux. Donc j'ai inconnu. Ça... C'est bon, je lance le repos? Oui, oui, vas-y. Eh bah, ça ne servait à rien. Ça ne sert jamais à rien. Ça n'a jamais servi à quoi que ce soit, ce truc. C'est de la merde. Mais c'est de la merde qu'on verra dans un prochain épisode. Eh bien oui. Au revoir. Des bisous, YouTube.